On est le 31 décembre et je suis dans Paris, ça gèle, et j'ai eu une discussion très intéressante avec un ami hier soir, et il me dit « Antoine, c'est quoi tes objectifs pour l'année qui vient, pour 2017 ?» Et je lui dis « Écoute, mes objectifs, ils sont très simples, faire que mon site marche mieux, faire que tout progresse bien, que mes vies amoureuses soient au top, etc. » Il me dit « Non, il me dit « Non, c'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu vas faire qui va t'éclater en 2017 ?» Le truc qui te ferait marrer, réellement. J'aimerais beaucoup le savoir, j'aimerais que tu me le marques en dessous. Moi je me suis dit que le mien, ce serait probablement, j'adore faire des vidéos, j'adorerais faire une série télévisée. Ou alors une web-série, quelque chose en tout cas, faire une série avec des épisodes. Voilà, écoute, si jamais ça t'inspire, mets-moi ton objectif en dessous, ça me ferait plaisir. Mets-moi un like aussi, si jamais t'es motivé et que tu veux que ça change dans le futur. Et je te dis à demain, et surtout une très bonne et heureuse année 2017. Mon objectif pour 2017, c'est de prendre l'avion pour aller aux USA! Salut l'internet! Pour cette nouvelle année, en 2017, j'ai décidé de vous créer une police d'écriture. Donc voilà, c'est mon objectif, créer plein de caractères pour que peut-être l'année prochaine, enfin non, c'est sûr, c'est un objectif, que ces sous-titres soient écrits avec cette police d'écriture. Donc voilà, d'ici là, bonne année et bisous au chocolat! Moi, mon objectif en 2017, c'est de ne pas laisser passer une seule journée sans progresser. En 2017, je vais exploser le compteur des 100 000 abonnés sur YouTube. Bonjour, mes résolutions 2017. Arrêter de fumer, me mettre au sport, devenir beau et fort comme mon patron. Adepte de la simplicité, j'ai pas 10 000 objectifs, mais juste un seul objectif. Et le but, c'est de le porter au top du top. Donc cet objectif est lié à ma formation en lecture de personnalité. Et donc, viser le meilleur, tout en kiffant, bien évidemment. Je vais organiser le plus gros live Facebook en francophonie qui va réunir des entrepreneurs inspirants. Parce que je souhaite vraiment que 2017 soit l'année du passage à l'action, l'année pour faire passer votre business à la vitesse supérieure. Et donc je vous partage tous mes vœux de bonheur et surtout, passez à l'action. Salut Antoine, moi mon objectif principal pour 2017, c'est d'abord d'être heureux. Être bien entouré par la famille, les amis, pour moi c'est la chose la plus importante et c'est mon objectif en 2017, rester bien entouré. Mon objectif 2017, ça va être de faire le Marathon Paris le 9 avril prochain. Donc ce qui me reste à peine 3 mois pour m'entraîner, donc voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite plein d'amour et plein de bonheur et beaucoup de sport pour l'année 2017. Bisous bisous. Salut Antoine, mon objectif pour 2017, c'est de multiplier par 10, ouais, 10, l'activité sur jesuisnulinformatique.fr et de finir la traduction en anglais de mon bouquin « Je me suis fait larguer ». Mon objectif pour 2017, c'est de devenir championne de jumping. Wouh ! Réussir ma boîte et réussir mon mariage. Faire un truc que j'ai jamais fait, dire bonjour à quelqu'un que je connais pas, changer de chaussettes, prendre un bain, me laver les dents pour la première fois de ma vie. Arrêter d'être bête, non, pas possible. Continuer à me marrer, ça peut être bien. Manger mieux, manger moins, faire plus de sport. Cumuler les conquêtes amoureuses. Non, ça... J'ai 10 secondes quoi, c'est trop dur. 2017, objectif, finir mes études, passer bac plus 4. Yeah! Mon objectif pour 2017, c'est d'aider le plus grand nombre d'entre vous à vaincre ce qui vous empêche d'être heureux en amour. Bonne année. Ouh, alors qu'est-ce que je souhaite pour 2017 en 5 secondes? Eh bien... profiter à fond de la vie, profiter à fond de mes amis et éviter d'être en retard comme tout de suite. Alors salut à tous, bonjour, pour 2017 mon objectif est de vivre de ma peinture, en espérant que ça marche. Bonne année à tous, bye bye. Mes objectifs 2017, c'est réaliser un nouvel album, faire encore plus de concerts et avec un peu de chance me faire remarquer par un producteur de musique. Non, 2017, j'aimerais qu'il fasse plus chaud. Moi, je vous souhaite une année 2017 à la lumière de vos espérances, de vos objectifs. Et ben voilà, ça fait plaisir. Je viens de finir le montage de la vidéo. Juste pour préciser, j'ai envoyé cette demande à mes 21 amis il y a une heure. On est toujours le 31 et ils ont tous répondu, ils m'ont tous envoyé cette vidéo à l'instant. Les amis, je vous aime réellement et je vous souhaite à tous une excellente année 2017.